Française a épousé un médecin américain qui n'est ni moche ni pauvre. Ils vivent à Philadelphie. Tout baigne. Je suis en retard aujourd'hui. Tout baigne, mais sans le moindre laisser aller. Pour Suzanne, l'amie de Chantal, c'est moins facile. Délaissée par son mari, elle a dû quitter sa modeste demeure. Pour se retrouver dans une misérable chaumière. Gaël, le fils de Chantal, n'est toujours pas engagé comme biologiste et travaille dans le restaurant de Georges Perrier. Et Georges Perrier, le grand chef français, revient de Las Vegas, où il espère étendre son empire. Tu remplis une fiche, hein, oui. Tu es obligé d'avoir une adresse. Et tu l'avais pas. Et j'avais pas ton adresse. Je suis Chantal. Daniel, mon ami. Ravi de vous voir, ravi de faire votre connaissance. Bienvenue on aux États-Unis. Merci. De se voir et de. Ah, oui. Je suis heureux. Je t'ai dit amène rien. Non, il n'y a rien. C'est beaucoup des choses pour toi, du champagne français, du vin français. Bon, merci. En fait, tu t'es décidé à venir. Dis-moi, ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis et il a fallu que j'attende 17 ans pour que tu viennes me voir. C'est une affaire, hein? Oui, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas toujours pu physiquement venir parce que j'ai eu pas mal de soucis. Je suis déjà au décès de papa, de Daniel. Me dis pas que t'as eu peur de. Non, c'est pas ça. Non, non, pas du tout. Mais tu sais que j'ai fait une dépression nerveuse, donc c'est vrai que j'ai besoin de repos. Mais. Si vous êtes au même rythme que les Américains, maintenant vous vous stressez, vous faites des heures supplémentaires? Parce qu'il y a pas encore la grève. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces Français? Pourquoi ils font la grève? Bah ouais, mais. Mais ce sont des choses qui nous arrivent jamais 5000... aux États-Unis. Ils font pas la grève. Venir à 6000 km pour en parler, bah ils veulent bouger, toucher les retraites. Quoi la retraite? Ici ils ont un mois de vacances, c'est tout ce qu'ils ont. Puis encore, s'ils en prennent pas 3 semaines. Mais nous. Il n'y a pas de sécurité sociale. Tu vas pas chez le docteur en demandant une feuille de maladie, 15 jours d'arrêt ou 2 jours d'arrêt parce que ton enfant est malade. Ça se passe pas ce genre de choses ici. Tout le monde travaille. La femme, le mari travaillent et doivent travailler entre 8h et 9h ou 10h parce que bon, les éducations sont chères. Mais je comprends pas. Plus on leur en donne aux Français, plus ils en demandent. C'est normal, c'est le français. Ils attendent toujours de faire les grèves d'avion au moment où c'est le départ et c'est les vacances. C'est normal. Si c'est pour faire une grève, autant que ça vaille le coup, sinon c'est pas intéressant. Oui, mais bon, c'est les autres aussi qui souffrent. C'est sûr. On est étonné que les gens ont 2 voitures, ils ont des maisons, ils vivent bien parce qu'ils travaillent, ils sont pas en train constamment de se plaindre. Le gouvernement ne va pas leur donner l'argent. S'ils veulent l'argent, il faut qu'ils aillent travailler. Chez nous, c'est pareil, hein. Oui, c'est ça. Mais le français est de plus en plus feignant aussi, il faut reconnaître. Parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas ce genre de choses. Oui, Rémi, tout ça, ça n'existe pas ici. Tu vas en Thaïlande, tiens, je suis allé en Thaïlande il y a un an. Eh ben, je peux te dire que là-bas, pour 40 francs français, c'est-à-dire en gros 250 bahts par jour, ça correspond à peu près à une quarantaine de francs français, pendant 12 heures, les Thaïlandais cassent des pierres sur les routes. Et ils sont très, très, très contents de leur sort. Tu m'entends? Ils sont heureux. Ça, c'est notre sortie, Saint-David Villanova. Et c'est juste à côté de chez nous. C'est ici, par ici que tu habites, toi? Vraiment à côté. Dans 2-3 minutes, on est chez nous. Voilà, c'est ça. Ce sont ces maisons,
cette maison à droite, là, à gauche, enfin, tous ces... Voilà. Elles sont ça, modestes, c'est... ici. Oui. En... Elles sont modestes, oui, d'accord. Ouais. La rue d'après, oui, c'est, oui, c'est un peu plus grand. D'accord. Mais tu... Bon, là, ce sont les grandes propriétés, les très, très grandes. Je suis allée dans cette maison. Ça, c'est vraiment un joli manoir. C'était vraiment très, très joli. C'est démentiel, ça. Alors ça, tu vois. Ça, c'est Nancy. Ça, c'est Joanne. Hello. Joanne. Joanne, ici à ta gauche. Nancy. Hello, à Nancy ma droite. Là. Ici. Salut les enfants. Salut Joanne. How are you, baby? Et ça, c'est Barbara, ma meilleure amie, mais elle fait des constructions. Et ça, c'est notre maison. Hmm. C'est bien toi, ça. C'est bien moi? Ah ouais, c'est tu toi. Tu trouves ça. Que ça me ressemble? Ah, ouais. Ah, tout à fait. C'est toi. Absolument. Voilà, ton petit château pour 15 jours. Ouais. Je te le prête. Ah, oh, t'es gentil. Il y a cette verdure? Ben... Ok, si tu te tais, tu peux entendre. On n'entend rien. Laisse-moi regarder quand même. Parce que bon, il faut quand même que je vois. Tu poses des lunettes, il n'y a pas de bonheur. Ok. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Désolé, le lit n'est pas fait, mais bon... Tu peux suivre les pieds? Je me suis levée pour toi à 6h du matin pour que la maison soit un peu plus ordre. Georges n'est pas là. Ta chambre, tu vois, ça c'est une chambre, voilà. Mm. Magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. Ça c'est mon placard, les toilettes, et ma, c'est notre salle de bain. Mm. Et comme tu peux voir, bah, la vue sur le jardin. La douche. T'imagines si maman est venue? Mais j'ai abandonné, hein. J'ai abandonné, je sais qu'elle viendra pas. Non, ça y est, ça fait 17 ans que je pleure pour qu'elle vienne. J'ai fait un trait. Mais bon, elle aurait pu avoir un séjour de princesse. Puis crois-moi qu'elle aurait été comblée. Essaye encore une fois. Ah, c'est... Ah, c'est dur. C'est pas l'hélicoptère de ta soeur? Il y a pas la zone de terrissage. Alors je referme, hein, ma chérie, c'est pour toi. À de l'extérieur, c'est pas mais mal. Tu peux le faire en marchant. Non. Oh, non. Ouais. Alors ça, ça c'est un mon pied là. Là, je suis en train de me reprendre mon pied là. Ouh là, là, là. Tu peux le refaire dans l'autre sens? Ouais, vas-y. Oh, 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 oh. Genre, c'est un petit peu exprès pour notre temps. Je vais faire des gueules là. Oh. Mais tu te rends compte? Mon amour, ça commande même le garage directement d'ici. T'appuies là, c'est ça? Oh, baby! Il dit not wait too long pour give me a call, hein? Ouais? Yeah. So, vous allez coucher à la belle étoile? Tu fais un gros bisou pour moi, Chantal. Ouais. Raymond va te dire juste bonsoir. Un petit quick, allez. Quick. A quick. George. Oh, baby. How are you, baby? Oui, merci. Merci bien. Je suis chez moi. C'est gentil. Je te remercie. J'ai ta petite femme qui est... Tu es dans le Colorado en train de faire du vélo. Chez nous, en France, c'est plus simple que ça. Hein. Tu vois, il y a un terrain de foot autour, tu fais du vélo et c'est le soir même, tu es rendu. C'est très, très simple, là, chez nous, pour faire du vélo. Inutile de prendre l'avion. Je te fais un gros bisou, je te repasse ton petit bébé. Hein. À bientôt. Gros bisous. Ciao. Oui, au revoir. À bientôt. Ciao. Tu vois bien que je vais m'amuser. Hein. OK, baby. I love you, baby. I was very happy to have you, baby. Okay. What time? 77? We did charge him 77, did we? There's not 15 Porsches on the show, okay? Huh? How much we charge him? Can we check? $75. Huh? $75 a shot.
For what? For that? Johnny Walker? Yeah. Stop show. Call the Ritz and they see how much it costs. It's $75. Call the Ritz, how much it's $75. Call me the Four Seasons at the Ritz, I want to know. Right now. Call it. I want to know. I want to know. Yes, yeah, good morning. I had drinks here, there yesterday, and I had a Johnny Walker Blue. How much did I pay for that? Yes. Chef, c'est un whisky de qualité, chef. C'est comme c'est le Petrus du whisky, si vous voulez. Petrus du whisky, chef. C'est Puis chef, il y a les taxes aussi. Il faut voir si combien une charge de taxes. Il faut voir. Thank aussi. You very right. much. Okay. All right, great. Thank you. Bye-bye. Thank you for your patience. Okay. How much? You want about? Huh? How much? 50 where? At the Four Seasons? Moi, le patron, je trouve que c'est insanité de charge $75 pour une bouteille qui coûte $240. J'en ai rien à foutre. C'est de la folie à prendre une complainte. Le Four Seasons, il charge $50, on en charge 75. 50 les Four Seasons? Oui. Ah oui, là, c'est Et grand. Pourtant, le Four Seasons, ils sont tous plus chers que nous dans les vins et partout, ils sont le double de prix qu'on est. T'as vu comme il me clame, comme il m'a traité sur la lettre? Mais c'est méchant. Hein. C'est méchant ce qu'il. T'as vu comme il m'a traité? Did you see the way he treated me in this letter? C'est pas poli. I'm gonna send him a letter, but he cannot talk to me the way he treated me. Is it what? I'm a fucking thief. You're making me look like a thief. I'm pissed. The Four Seasons, they might have 2,000. They might go to the distributor by himself. You know what I'm saying? I'm not trying to defend anyone that he put the price on the Johnny Walker Blue. But how do I know they don't go buy 50 cases of Johnny Walker Blue and the distributor to all the hotels? I don't know. Yeah, that I understand. Right? We're not an hotel, we're in a restaurant. I understand. You're a customer, you come here, you pay $75, you go to Four Seasons, you pay $50, you come back, it's normal. The thing was no good in the letter, they treat Perry as a sucker. Right. This is the thing is wrong. What? I told him that the thing is on, they treat you as a sucker. That's not. No, he said that. Not, he's the sucker. Yeah, he's the sucker. Moi, je vais me faire insulter parce que mes employés, ou le gars qui fait les prix, ils ne consultent pas avec moi. Vous rigolez. Moi, je ne suis pas un voleur, hein, ni un forban. Hein. You should be finished, my tête folie. Yes, chef, we did have to do the closure. I don't care. You should be finished by 10:30. This has got to be finished by 10:30 every day. Then he can clean the floor and get ready for lunch. Boquette, broche, water, broche, rinset, drive with the Mac. Get ta mare here. Come here, sir. Come here. What is your name? Come here. Give me a hand to clean this floor. I want it broche ta mare. Yes, I want it broche with soap. I want it rinse with clean water. And I want it pass the Mac. Take this grease out this floor. I'm working here today. Qui c'est qui fait le prix des alcools? Ah, je suis vraiment en colère. Là, je suis en colère. Moi, qu'on m'appelle un sucker, Nicolas, personne m'appelle un sucker. Moi, alors là, moi, je suis vraiment en colère. Et l'appeler sucker, c'est pas gentil. Ah non, là, il faut pas exagérer. Alors moi, je veux des explications. Pourquoi on charge $75 alors que les autres, ils chargent $50 et que la bouteille, elle coûte $188. C'est qui fait le prix de la bouteille? Qui fait le prix des alcools? On ne vole pas les gens. Ben là, c'est volé. Je suis sûr que le. On sert 3 ounces, ici ils servent pour $50, une ounce et demi. Ah bah ils servent une ounce et demi, on sert 3 ounces. Ça, ouais. Donnez-moi ça. On la vend combien? $75, 3 ounces, $25, 1 ounce. Ouais. On gagne 2 fois et demi. Ben c'est ce qui est correct. En alcool. Quand on gagne 2 ounces. $25 un ounce.
Sauf si on sert 2 ans, c'est $50. 3 ans, c'est $75. C'est correct. C'est correct. Ouais. I'm a son of a doctor. My mother will never have teach me this kind of manner. I am offended. I'm offended. I'm offended. I'm upset. Have your letter. I've been in this business, doctor, for 30 years, 35 years. I'm not a thief and I'm not a sucker. And you are not a gentleman. We give you 3 ounces of this liqueur. It's $25 an ounce. And if you go to other restaurants, you will pay, maybe pay $50 at the Four Seasons, but you will only get 1.5 ounces of this liqueur. We give you 3 ounces and we charge $25 an ounce. I don't know if you call this robbery or thievery, but in my book, it is not robbery or thievery. Sincerely, Georges Perrier. Just on a mood for that soccer. Did you know the statue was given from the French people? Did you know the Liberty statue was given from the French people? You did not know? Okay. It was given from my country to tell to everybody we are truly a friend. Je vais zoomer, oh là 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 là, quand j'ai montré ça à mes collègues. Et les tours, elles étaient où les 2 tours? Elles étaient par là, les 2. Juste derrière? Ah oui. C'est ma séquence émotion. Ta séquence émotion? Oh, il y a un bon camp ici. Ah, ça vient de par là. Apparemment, ça vient de là-bas au bout, je sais pas trop ce qu'il y a. Faut que je filme ça. Ah, ça y est, là, voilà. Oh, bah, joli. Oh, oh. Allez, passe, toi, mon grand, passe. Voilà. Excellent. Excellent. C'est l'affaire de ton travail qui te travaille comme ça? Non, tout va bien, c'est juste de marcher à New York. Ah, j'espère que tu profites de ta journée. Ouais, oublie, oublie, oublie. Demain sera un nouveau jour. Je crois que tu auras une bonne réponse, ne te fais pas de soucis. Non, non, tout va bien. Ah, oh, 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 oh. Ah, regarde, regarde, regarde. Oh, sexy. T'as vu? Raymond, Raymond, Raymond. Il n'y a qu'à New York pour voir ça, hein. Il a une petite culotte. Il est bien fait. Tout le monde me dit que je suis vraiment marié et avoir un enfant. Mais je dis, pourquoi pas, un enfant, pourquoi pas. Je peux très bien me marier maintenant, à 60 ans, avoir un enfant. Picasso, il a bien eu un enfant, il avait 90 ans. Oui, Picasso, enfin, c'était un caractère. Mais c'est marrant parce que... Anthony Quinn aussi, il s'est marié à 80, il a eu 2 enfants. Hein. C'est un caractère aussi. Ah oui, Chaplin. On sait pas. Peut-être à 70 ans, je vais peut-être me marier avec une femme de 20 ans, j'aurai un enfant, on va savoir. D'où tu penses vient ton énergie? De ma mère. Pas de mon père, ma mère. Mais tu veux dire c'est génétique? C'est génétique. Moi, j'ai une énergie, je monterai sur des montagnes. Mais moi, il n'y a personne qui peut me suivre. Même à mon âge, il ne peut même pas me suivre dans mon restaurant. Mais ta mère, elle avait une vie dure ou... Oui, elle a tout quoi? Elle avait une vie dure Oui, je pense qu'elle a une vie dure, parce qu'elle était médecin, etc. Elle a travaillé très dur dans sa vie. D'accord. Elle était médecin, ma mère. On avait un laboratoire. Et ton père aussi? Non, bijoutier. Elle avait un laboratoire d'analyse, donc elle a travaillé très dur. Elle avait des employés, etc. Donc elle a bossé dur, hein. Moi, je me rappelle qu'elle m'a raconté des histoires, qu'elle est descendue dans la rue, la première avec le drapeau, pour que les femmes votent en France. Donc, ma mère, c'était déjà une femme affirmée, une femme autoritaire, une femme de tête, une femme intelligente.
Ce qui m'intéresse, Georges, c'est la façon dont tu es venu ici, aux États-Unis. Et donc, je veux un peu comprendre ça. Est-ce que tu peux en parler ? Bah, bien sûr. Je suis venu parce que j'ai senti la France qui tournait. En 67 ? Ouais. Et je suis arrivé ici aux États-Unis en novembre, le 17 novembre 1967. J'ai pensé que ça serait plus possible. J'étais jeune à l'époque, j'avais 21 ans. Et j'ai ouvert mon restaurant, j'avais 23 ans. Et quelques conseils, est-ce que tu donnes à ta fille ? Bah, ma fille, elle est d'abord, il faut qu'elle se trouve pour décider ce qu'elle veut faire dans la vie, parce que... Elle a quel âge ? Elle a 28 ans, elle va avoir 30 ans au mois de décembre. Et ma fille, elle ne sait pas bien ce qu'elle veut faire. Puis alors, elle se dirige vers quoi, là, maintenant ? Bah là, elle travaille pour moi, mais elle ne sait pas. Elle est en train de se chercher. Je ne la pousse pas parce qu'elle a beaucoup souffert. D'abord, elle a fait une très grosse dépression. Elle a été très malade. Ah bon ? Et puis, en plus de ça, son frère, j'étais marié avec une femme qui avait un enfant qui avait 3 ans. Et ce garçon est mort il y a 8 mois. La fille est morte d'un cancer du foie. Non, alors, je te dis pas, Marc, ouais, la catastrophe, ouais. Je suis passé par l'enfer du Nord. Alors, moi, mes affaires et ma fille, alors là, je me suis vraiment consacré à ma fille, mais ça a été... Je peux même pas décrire, ça a été... Elle s'est remise de ça, au moins ? Ah, là, elle va bien, là. Elle s'est bien remise, mais elle a été très, 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 très malade. Non, mais c'est assez tragique. Très, très malade. Un jour, elle m'a téléphoné, j'ai dit à mon assistant, je monte à New York tout de suite parce que je crois que ma fille va se suicider. J'avais une peur, j'ai pris la voiture, je suis monté à 200 à l'heure à New York. J'ai même de la chance, je me suis pas fait arrêter par la police. T'as qu'à voir dans quel état j'étais. Hein. Ah oui. Et maintenant, elle va beaucoup mieux ? Non, elle est normale. Mais j'ai eu peur que je l'avais perdue pour toujours. Je me suis fait de ses soucis. Je ne dis pas un père, ce que ça peut faire. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça t'a inspiré un peu à ralentir ? Hein ? Est-ce que ça t'a peut-être inspiré à ralentir ? Non. Non. T'as qu'une vitesse. Non, parce que moi, je ne peux pas ralentir. Mais là, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais à Quiberon. Je vais me requinquer, là. Des bains de boue, enfin, c'est tout prévu, déjà. Je sais même pas exactement, mais je sais que quand je vais sortir d'ici, je serai... J'ai pas de téléphone. Prêt à remonter sur les montagnes. Moi, je vais y aller. Moi j'ai mis de l'eau dans l'eau. On va aller dans l'eau. J'ai besoin d'aller dans l'eau. Ça va me faire du bien parce que je me sens... Je me sens pas bien. Je me sens bizarre. Alors, je me sens gros, d'abord. Gros ? Ouais, j'ai toujours ce ventre. Non, tu exagères. J'ai encore pas maigri. Hein. J'ai encore pas un homme. Tiens, voilà ta fille. Hier, avec Georges, on a mangé deux œufs à la coque. Et moi, j'ai mangé de la salade après. Oui. Et j'ai pas mangé mon dessert. Mais moi, t'as du dessert, Jean. C'est sympa, ce qu'on a. Oui. Ouais, c'est bien. Vous, de votre côté, vous avez ça, nous, on a ça. J'ai cherché un peu de pizza. Merci. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Ah, voilà, tout de suite, voilà, des questions. Eh ben, t'aurais pu rapporter le truc de citron. Tu veux du poivre ? Ah, truc de citron, c'est chouette. Tiens,
Oui, merci, chérie. Il n'y aurait pas un petit peu d'huile et de vinaigrette et du vinaigre non, de balsamique? Non, non, non. Tu veux du jus de citron, tu auras du jus de citron. Du jus de citron. Du jus de citron. Bon appétit. Merci. Vous avez goûté les algues déjà, vous avez ça? Oui, ouais, on a goûté. On a goûté, mais... Moi, j'arrêterai pas d'en manger. J'adore. C'est féminin, hein? Ça croque tout ça. Pas la petite cravate brodée. Pour Georges. Moi, je crois que c'est un sac floral. Ils ont des allumettes ici. Faire une composition florale, mettre un joli vase avec des cailloux. En plus, c'est en solde. C'était 55$, c'est 29$. C'est pas très joli, c'est pas très malheureux. Tu me donnes 30$, moi je le fabrique. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Système D. Tu vas prendre ça? Oui, ça ressemble à rien pour toi, mais... Ah non, ça ressemble à rien du tout. Non, non, mais moi, oui, écoute-moi, mais moi, sérieux, moi, je trouve ça au plus. Je mets un morceau de bois ici, un deuxième là, toujours il dit des bêtises, toujours. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qu'il y a. Tu as vu le meuble là-bas, Chantal? Là-bas, il y a un meuble, hein. On va aller loin. Tu vois ce meuble? Viens, come with me. Regarde bien. Celui-là, à droite, là. Celui-ci? Ici, à droite. Regarde ce meuble. Oui. C'est vrai qu'il est magnifique. Oui. Allez, d'après toi, combien? Dis un prix. D'après... Non, ne regarde pas. Dis un prix, si tu devais l'évaluer, l'estimer, tu l'estimerais à combien? Dis-moi. Franchement. $15,000. $15,000. Bah, tu aurais la moitié. Il a $29,000. Waouh. C'est-à-dire que ça fait, en français, ça fait en gros plus de 200 000 balles. C'est probablement antique. Ah, c'est antique, ouais. Wow. Antique et tac. Très donné, hein. Et les tiroirs s'ouvrent. C'est magnifique, hein. Voilà ce que j'adore chez eux, c'est ça, tu vois, les gens simples, à ce niveau-là, c'est simple, voilà. Oui, non, voilà. Les gens savent vivre. Ah ouais, c'est bien. Ici, profite de chaque instant, c'est très bien. Les gens se prennent le temps de te dire bonjour en général. Et c'est hi, how you doing? Ce sont certainement des touristes, mais bon, tout le monde. Non, en général, c'est comme ça. Provence, ma salle. Je crois qu'il nous faudrait un scotch. Une Volca, bon, je crois. C'est pas ce qu'il nous faut. Une Volca. Il faut quelque chose, mais tu sais pas quoi. Pas de petite Volca. Et moi, j'ai perdu. La dernière, elle m'a... Là, je le vois que j'ai perdu. J'ai vachement perdu, là, je le vois. Là, je l'ai... Tout à l'heure, j'ai vu quand je me suis mis devant le miroir, j'ai vachement perdu. Mais oui, je te l'ai dit, tu me dis non. Ouais, j'ai perdu.
Non, non, c'est, ah, j'ai perdu efficace. Beaucoup. Hein. J'ai perdu beaucoup. Peut-être pour ça que je me sens si fatigué. Voilà. Ah non, le dernier massage, il m'a... Qu'est-ce que c'est ? Anéanti. Une heure. Relaxation, ça s'appelle. À 5 heures, je vois la diététicienne pour la diète, mon régime. Nutritionniste. Et puis après ça, terminé, je prends une douche à 6h30, il faut qu'on soit au bar. 6h30. Ok. Et à 7h30, on va manger des crêpes. Ok. Au revoir. Au sarrasin. Ok. Ok, ma chérie. Tout à l'heure. Merci, monsieur. Je suis là. Et puis, terminada. Mademoiselle. Allez. Vous êtes en train de nous faire grossir. C'est de votre faute si on vous dit. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un vilain péché. Ah, c'est pas un vilain péché? Alors donnez-moi deux crêpes de plus. Merci. Oh, ça sent l'iode, hein? Ça sent bon, ça sent l'iode. Hein. Regarde les deux là, regarde ta fille et Liliane. Ça sent l'iode. Ah bah les enfants. Ouais, ça va. Vous amusez-vous bien? Oui, ça va très bien. C'est bien. Ça fait du bien après le repas. Ça fait du bien après le repas. Bon bah allez, on va aller fumer le cigare. Ça, par exemple, c'est de la feuille d'or que tu as mis dessus? Ah oui, c'est du... C'est incroyable. Oui. Tu as pris un temps incroyable à refaire tout ça. Ah non, j'ai pas eu peur. Non, mais le temps, je l'avais. Il faut vraiment avoir quand même du talent. Hein. Ça aurait pu être un second métier. Ou un premier métier. Mais j'ai voulu ces meubles. J'adore c'est, l'Empire. C'est très beau. Daniel, je te présente Sylvie, une bonne amie. Enchantée. Elle nous bise. Voilà. Elle nous accompagne au bain. D'accord. Sans Raymond, comment se sent-il? Il n'est pas bien. C'est il n'est pas bien, il est couché, donc on fera sans lui. Il nous fait vraiment une crise de foie? Je crois. Il a trop fait la fête? Non, il a mangé un cheese steak, comme on dit, et c'est pas bien passé. C'est un peu lourd. Ah, ça fait dommage. Bon, donc, bah, on parce que Nadine, elle nous attend. D'accord. Ce qu'il y a à l'intérieur, il faut être prêt. Vous n'avez pas un tableau par mur, vous en avez une cinquantaine qui ont été mis d'une certaine façon par les étudiants, mélangés avec beaucoup d'art, des sculptures, des bijoux, des arts ferrerie. Comme des grosses serrures, des grosses clés. Donc, on va rentrer maintenant, puis vous allez souffler. Forger. Oui, mais le mot. Donc, c'est tout mélangé. Et ce que vous allez voir à l'intérieur, il y a beaucoup d'art d'artistes, mais le plus grand des artistes de tous, c'est Dr. Band. Bravo. Donc, nous voici ici dans la salle principale, la salle 1, donc, de la Fondation Band. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de tableaux de différents artistes. Alors, je vais vous dire, il y a 181 Renoir. Je répète, 181 Renoir. 69 Matisse, Cézanne. 69 Cézanne. 60 Matisse. Il y a du Picasso, du Seurat, Modigliani, Rousseau, Soutine, Braque, Titien, ouais, c'est ça son français. Tintoretto, Véronèse, El Greco, Lorraine, Chardin, Daumier, Corot. Ils ont tous. Corot, oui. Ah, il en a énormément. Oui. Tu colles ça, les gars. C'est formidable. C'est extraordinaire. Alors, on va passer dans une autre salle. La chose incroyable, c'est que c'est ici, dans notre village, juste à côté de chez nous. Ah oui. Ce tableau est un des. Peut-être pas mon favori. Mon favori, c'est un Modigliani. Un nu de Modigliani. Ceci, c'est un nu de Renoir. Quand tu regardes ces femmes, tu ressens, je ne sais pas, tu ressens la paix, tu ressens la sensualité. Tu en as une qui se sèche, qui vient d'être donc se baigner. Ouais. L'autre qui lui fait ses cheveux. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa nounou, sa servante?
Ah, oui. Que regarde-t-elle en vérité? Elle regarde son futur. Elle te regarde à toi. Mais enfin, elle est dans le vague un peu. Elle réfléchit peut-être, oui. On ne voit pas de pétillance. Regard, sa pupille est complètement noire. Elle n'est pas triste. Ou... Peut-être que c'est une vierge qui n'a pas finalement le pétillant sexuel qu'une autre personne. Oui. Tu peux élaborer, tu peux réfléchir, tu peux inventer n'importe quoi. Oui. C'est formidable. Oui. Elle est blanche, elle est pure. De toute façon, elle est jeune. Elle est très, très jeune. Oui. Elle est très, très jeune. Et je crois qu'elle est un peu timide. Elle essaie de se cacher. Elle est très jeune. Très, très jeune. Probablement qu'elle est quand même embarrassée par d'être assise là devant le peintre. Elle se fait coiffer les cheveux. Quand on se fait coiffer les cheveux, ça endormit un peu. Hein. Ouais. Peut-être qu'elle est un petit peu endormie parce qu'elle se fait coiffer les cheveux. Puis elle a vraiment un œil qui... Enfin bref, c'est un beau tableau de toute façon. Voilà, ici. Salle numéro 2. Ah, c'est mon favori. Ah, c'est mon Modigliani. Ah oui. Mais regardez cette peinture. Elle est formidable. Je l'ai étudiée et j'ai fait donc pour ma dernière année un petit speech de 10 minutes. J'étais chronométrée. Mm-hmm. Mais au bout de 3 minutes, ça y est, j'étais partie. Puis bon, tu parles donc de l'ensemble des lignes. C'est rond, c'est magnifique, regarde. Mais c'est très androgyne, alors dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi? Ah non, mais c'est une femme. Non, c'est une femme. Et tu sais ce qu'elle te dit, la femme? Mais vous m'enquiquinez. Regarde, il faut que tu regardes, avant de t'exprimer, il faut que tu regardes. Est-ce qu'elle est sur un sofa? Est-ce que c'est un rideau? Est-ce qu'elle vient de se laver? Mm-hmm. Maintenant, regarde les lignes, regarde la beauté de son derrière, regarde ces lignes. Pourquoi les jambes sont un petit peu entrouvertes et pourquoi elles sont pas fermées? En quelle année il a été fait ce tableau? Ah ben, je sais pas. Ouais. Ah, je sais pas. D'après moi, ce qu'elle fait, elle fait sa musique. Elle est la barre du violoncelle. Et elle dit aux gens, mais vous m'enquiquinez, je me fais mon plaisir. Mm-hmm. Et toi qui rentres, tu la regardes, elle te dit, mais laisse-moi tranquille, je me fais plaisir. Donc c'est très sensuel, ne me dérangez pas. Oh, c'est une femme qui est libre, elle est très avancée, très très avancée. Elle a un air... Elle est émancipée en tout cas. Ah oui, elle est libre. Bienvenue chez nous. Elle est libre, c'est une femme qui est libre. Club. Elle te dit, tu m'enquiquines. Elle est une femme de caractère. Ah oui, hein. Elle te dit, tu m'enquiquines. Oui, oui. Femme de caractère. Et avec Noah et moi, on a trouvé qu'elle faisait sa propre musique. C'était super bon. Ouais, beaucoup de respect. Tant pis, je vais dire ce que je pense. Je suis déçue que ce soit ton favori. Ah oui. Mais je comprends pourquoi tu aimes. C'est pas du tout mon tableau favori. Alors voilà, c'est dit. Tu dois préférer les Renoirs. Les Renoirs, c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus voluptueux. Là, il y en a un qui est très rare, c'est tous les autres. Quel favori? Regardez-moi ça, c'est tous les autres, c'est formidable. Tiens, voilà la princesse. La princesse des Asturies. La vieille ou la jeune? La vieille ou la jeune? La princesse des Asturies qui est là. Et je me sens très bien. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Massage. Dis-moi, un massage, elle commence à m'inquiéter sur les massages. Hein. Le mec, c'est toujours le même. Ouais. Que tu dis? Tu as l'air bien guillerette, là, tout d'un coup, là. De l'autre côté. Tu sais, quand on va arriver à Bruxelles, on va aller au tapas, il faut que tu prennes un menu. Ou au tapas? Oui. Il faut que tu prennes tout le menu des tapas et qu'on s'en fout, on va commander plein de choses, même si on les bouffe pas, on s'en fout. Ça fait rien, commander, voir comment. Voilà. On n'a pas à le manger. Non, non. On grignote. Voilà, on goûte une bouchée de chaque. Las Vegas, il y a des choses incroyables à voir. Derrière le MGM, il y a un hôtel de grand luxe avec des suites de 500 mètres carrés, comme je t'ai dit, pour eux, pour ces gros joueurs. C'est les joueurs, c'est à partir d'un million de dollars. Il y a une piscine, un jacuzzi, il y a des écrans plats sur tous les murs.
C'est un très grand luxe. Très, très grand luxe. Mais c'est fait pour les gros joueurs. C'est des Américains ou c'est des Sud-Américains? Alors, avant, c'était la grosse clientèle était américaine, des gros Américains. Maintenant, la grosse clientèle est chinoise, est asiatique. Chinoise? Oui. Il arrive à la gare. Qui viennent de Shanghai. De Shanghai? Bien sûr. Ils ont un link avec Los Angeles, tu comprends? J'aimerais bien ouvrir un restaurant à Shanghai. Je ne serais pas aussi vieux, j'aurais un restaurant à Shanghai. Ils sont très amassés. Shanghai, c'est le futur. Ouais, ouais. C'est le futur Shanghai. Ah, oui. Faut enlever un kilo. Un kilo. Combien? Mais attends, reste. Tu fais 78, moins 77. Un kilo, ça fait 77. Donc, tu as perdu un kilo, 1,2 kg. Mais en fait, tu te pèses le soir, c'est pas le soir qu'il faut se peser. Le matin. Donc, t'as pesé le matin, alors. 1,2 kg, j'ai perdu. J'ai perdu plus que ça. Oui. Rien, ça fait 77. Je fais même pas de rien. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Mais non, mais j'ai maigri. 77, ça fait combien en pound? Bah, par 2,2. Ça fait 2 × 7, 14, 2 × 7, 14, 15, 150 et 15, 170. Tu faisais quand 170? Je faisais 173. Là maintenant, combien tu pèses? 77. 77, 2 × 7, 14, 2 × 7, 14, 2 × 7, 14, 2 × 7, 14, ça fait 14 et 15, 150, 4. Plus 15, ça fait 166 là. Ben, j'ai perdu gros, j'ai perdu... Ben oui. 166, j'ai perdu 6 pains. Voilà. 3 kilos. 3 kilos. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais je sens que je les ai perdus 3 kilos. Non, non, c'est ça. J'ai perdu 3 kilos. Alors? Oui. 3 kilos, j'ai perdu. Félicitations. Mon chéri, 3 kilos, 6 pains. Félicitations. Viens, OK. Excusez-moi. Mais dis-moi, parle-moi à propos de ton travail. Ouais. Parce que bon, finalement, on se connaît très peu, toi et moi. Le fait que j'ai quitté la maison, j'avais 17 ans et demi. Mais qu'est-ce qui t'a mené à choisir ton métier? Parce que bon, finalement, je croyais que t'étais dans l'administration. Non, oui, c'est ça, j'étais pas grave-papier. Non, simplement, c'est que fin 80, quand j'ai passé le concours de l'administration, à l'époque, il me fallait un métier pour me marier, d'accord, et un métier d'avenir. Bien, donc j'ai fait quand même gendarme, j'ai passé le concours de la gendarmerie, j'ai passé le concours de la police et j'ai passé le concours de gardien de prison. Ah mais ça je savais pas. Bah voilà, maintenant je te l'apprends. Il s'est avéré que les résultats de gardien de prison sont venus en premier. Donc là j'étais sûr d'avoir réussi, que les autres je savais toujours pas, j'attendais parce que c'est très long. Donc bah j'ai pris cette voie là. Mais bon, mais ça dure pendant quelques temps. Tu es quand même exposé à voir la douleur, la peine. Il te faut rester insensible. Tu en vois des vertes et des pas mûres. Tu vois des drogués, tu vois des... ceux qui ont violé. Tu peux même pas imaginer ce que j'ai vu. Oui, mais c'est là où je m'attriste, parce que tu es trop souvent, chaque jour de ta vie, exposé à l'horreur partout de la race humaine. Non, là tu es enfermé. Et j'ai peur que ça pourrait faire de toi quelqu'un d'insensible. Bah, de toute façon, on devient, par la force des choses, insensible. Ça, c'est clair, ça, c'est vrai. Imagine un instant, je sais pas, je vais te voir, toi, en train de pleurer de toutes les larmes de ton corps parce que tu as eu un petit problème avec ton mari. Moi, je sais que je serais insensible. C'est là où je suis affectée. Je crois que tu aurais dû mûrement choisir avant de faire ton métier, parce que c'est un métier, à mon œil, difficile. Non. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées, Simon, toi? Parce que Georges, bon, je suppose qu'il a énormément de travail, il bosse, il fait tout ce qu'il faut. Mais toi, est-ce que tu dessines toujours? Je pense que tes rideaux, tu les as pas, c'est pas toi qui les as fait? C'est moi qui ai tout fait à la maison. Ah, ça se voit, je reconnais ta signature. D'abord, je te parlerai, je te montrerai. Ok, j'ai reconnu la signature de tes dessins, j'ai reconnu. Tiens, viens voir là. C'est super beau, qu'est-ce que c'est cette place? C'est la grande place de Bruxelles. La grande place de Bruxelles. Ça porte bonheur de toucher la dame là en passant. Toucher quelle dame? La dame en passant, tiens, t'en as besoin. Là. Tu vois? La dame, voilà. Tout le monde la touche. Ah. Il faut la toucher. Il faut la toucher où? Où tu peux. Où je peux? Partout. Partout. On revenira partout. Ça y est. J'en veux revenir. Ça y est, c'est bon.
Je vais voler maintenant. Allez, voler. Ça sent la gaufre. Vous êtes tous les deux. Tu sers le lunch 4 tapas à 7,05€, 3 tapas plus 1 au choix à 8€. Ça fait à Las Vegas, ça fait ça, ça fait 20€ et 40€. Claire, hein, c'est moins que ça. Non, et pour Las Vegas, c'est $20. Parce que attention, les prix à Las Vegas, c'est pas les mêmes. 7, ça fait $14. 4 tapas, $14, le double. Les prix de Las Vegas, c'est le double. À Las Vegas, il n'existe pas de concept comme ça. Il y a des trucs mexicains, mais il n'y a pas de tapas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Serrano. Chorizo artisanal. Chorizo. Des tomates séchées au soleil. Des olives mixtes. Un choix mariné. C'est pas de la du filo. Non. Le filo. Ça, c'est des briques, là. C'est de la brique, ça. La brique. C'est comme des palicots. Des... Samosa. Ça aussi, c'est très bon. Mmh. Très bon. Mmh. Ça, ce jambon. Très bon. Faire une prière avant de manger. C'est sûr que c'est un jambon supérieur. Ça met en appétit, ce truc-là. Ça met en appétit, ce machin. Ah oui, oui. Plus t'en manges, plus t'as envie d'en manger. Et plus tu... Et plus tu... Plus t'as envie d'en manger. Et plus tu... Et plus tu bois. Voilà. Parce que c'est le but de la manœuvre, ici. Moi, je vais dire la tichon. Ça va, je vais débarrasser d'abord. Moi, j'ai... C'est très bien, parce que là, on peut faire... Maintenant, pour moi, c'est limité. Tout est ouvert, c'est limité. C'est limité, je peux faire 150 tapas. Oui, c'est limité. 300. Moi, il va falloir que je fasse 15 km ce soir. Non. Faites quoi ? Moi, je suis restaurateur. Vous entendez bien ? Il est à pas, ça vous a plu ? Ah, ça va, j'ai trouvé ça fabuleux. Oui, parce que là, je prends. Je suis un espion. Oui. Je viens là pour espionner, pour voir. Parce que je vous. Parce que j'ai une idée, j'ai une grande idée que je veux faire à Las Vegas. Aux États-Unis et je veux faire quelque chose ou peut-être même ailleurs. Donc je suis venu ici pour prendre des idées. Non, j'ai fait 800 km pour venir ici. C'est vrai ? On est KO. Ah oui, moi je suis à moitié. How are you? Good. How are you doing? Unfortunately, it's a shame you just go like this. You know what I'm saying? This is what you work for. Okay. And it's a shame you never got to read this. Why? This is a Labak Fin manual. Mm-hmm. Okay? And then you really wouldn't know what we're all about. Okay. Because the way you left us, mm-hmm. the way you quit, mm-hmm. that was not very nice. Okay. You know what I'm talking about, right? Right. Right. You think that was nice? No. Thank you. Good mm-hmm. luck to you. Thank you. Bye-bye. Bye. Aujourd'hui pour le Ebola, on dirait qu'il y a des bonnes petites choses. Il faudrait que Andrea regardera les finales, les datas finales.
Mais là, ça, je pense qu'on a besoin un peu plus de tests sur ces compounds. C'est très élégant, Suzanne. Well, merci. It's superb. And you're doing very well here. I know. Ruben. You're going to buy this? Are you ready yes. to buy? Yes, yes. J'ai des cassettes, si vous êtes intéressé, je suis à bouger. Allez voir, monsieur. Approchez-vous. All right. Frank's Prank, The Surprise Worry, ça s'appelle DVD. Et cher Frank is boring, it's a Frank is boring. DVD, madame. Frank's in. Come on. Mais faut voir un peu l'immensité des choses. T'es resté combien ? On est resté 17 jours, 18 jours, 2 semaines et demie. Mais je te dis, c'est immense. C'est immense. Les filles, elles sont belles. Bah, il faut le poids lourd pour certains cas. Et puis sinon, mais il n'y en a pas énormément. Oh, les poids plumes, ça c'est pire. Ah non, 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 il n'y en a pas. Non. Ta femme fait partie des plus jolies. Hein. Ah, merci. Sympa. La mienne là-bas, elle était. Tu vois, c'est que tu côtoies des gens qui sont multimillionnaires en dollars. Quoi. Il y a une dame, elle avait des petits soucis parce qu'elle venait de divorcer. Donc son mari, si tu veux, le divorce, lui laissait 5 ou 6 millions de dollars. Sa mère, je crois, était décédée, elle lui laissait 10 millions de dollars. Sa maison qu'elle vendait, sa grande maison, comme elle divorce, donc il lui restait 5-6 millions de dollars. Plus, elle est principale actionnaire d'une grande usine. Ça fait qu'il lui restait 30 ou 40 millions de dollars et puis elle avait peur pour l'avenir. Elle avait quoi, 55, 60 ans. Elle avait peur pour l'avenir, de ne pas y arriver. Alors elle me dit, Chantal, elle m'a dit... En gros, 30 millions de francs. Chantal m'a dit, ça me fait peine parce qu'ils ont plus que ça, qu'est-ce que je raconte. J'ai dit, non, moi je me bats pour avoir 304 euros de pension alimentaire. Et je dis, je comprends. Et eux, c'est en millions de dollars. Ouais. 304 euros de pension alimentaire. J'ai dit, bah dis donc, ça fait mal, je comprends. De là où on vient, je me dis, on a beaucoup avancé. Je dis, oh, parce que c'est ma soeur, c'est ma famille. Mais c'est vrai que, tu sais, c'était petit chez nous avant. Hein. On dirait un petit château. Il n'y a plus de jardin. Elle devrait mettre des drapeaux. Tiens, je lui ai dit qu'elle devrait mettre des... Parce que beaucoup autour ont leurs drapeaux, pas elle. Ben oui, oh là là, cette photo est belle. Ah oui, elle est sympa celle-là. Hein. Alors bon, elle m'emmènera celle-ci. Ouh là là, vraiment, il a pris le goût. Hein. Il a pris le goût. Quand ils sont venus il y a plus d'un an, tu sais, j'avais fait tremper de la salade. Et tu la connais pas cette histoire ? Non, tu l'as jamais racontée. Bon, bah écoute, je la raconte parce qu'elle est sympa. Et alors, je laisse tremper la salade, Chantal descend, elle dit, oh là là, la salade, il faut pas la laisser tremper, toutes les vitamines s'en vont, Lucie, écoute. Après, la salade n'a aucun goût, c'est pas à peine que tu manges la salade, si tu la laisses tremper, les vitamines sont parties. Alors, je ramasse la salade, je nettoie vite, je jette l'eau et tout. Et Georges descend une heure après et dit, Lucie, j'espère que vous n'avez pas jeté l'eau de la salade, parce que toutes les vitamines étaient dans l'eau. Mais par contre, vous, j'espère que vous avez jeté la salade. Si vous êtes organisée dans la famille. Oh yeah, that's a fun warm-up.
Tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas fini. Comment vas-tu, madame ma mère? Je vais bien, ma fille. C'est bien. Pour le dernier épisode, on va revenir en France avec Chantal et découvrir que sa vie n'a pas toujours été un conte de fées. Voilà le champagne. C'est quoi qui souffert pour m'en souvenir? Elle retrouve avec émotion la toute petite maison où elle a vécu jadis. Qui habite dans cette maison ici au coin maintenant? Là, qui? Oui. Vous? J'habitais ici au coin. Nordine, longtemps. Ah, c'est Nordine. Et nous travaillons du soir au matin afin de gagner notre pain quotidien. Georges Perrier lui aussi est venu embrasser sa maman, dame espiègle de 93 ans. Heureusement que tu m'aimes. T'es mon chéri, tu le sais bien. De retour à Philadelphie, Chantal, devenue mannequin, présente la haute couture française dans le temple de la gastronomie française. Il y a une belle assistance quand même, c'est pas des grosses grosses, hein. Heureusement. Sympathique le couturier, hein? Ouais. Ah, c'est sympathique. Beau, il a un accent du midi. Renoir, Van Gogh, Corot, Monet, comment séduire l'Amérique? Rousseau, Lorrain, Redon, Courbet, par la culture biologique. Striptease, vous déshabille.